Le 1er mai, célébré dans le monde entier, a été observé pour la énième fois par les travailleurs. Il s'agit d'une journée de commémoration du mouvement ouvrier de rendre hommage à ces hommes et femmes dont leur action a permis de faire le progrès social. Le SEMBAC n'a pas été en marge de cette célébration. Ils se sont retrouvés à GTA pour poser leurs revendications. On doit vous comprendre que nous devons être traités sous la même chose. Puisque nous avons constaté que depuis un moment, les gens de la fonction publique, au moins eux, on les augmente. Même si c'est petit, c'est quelque chose. Mais à notre niveau, on ne nous dit rien, on ne nous augmente rien. Je ne veux pas dire qu'ils veulent que nous crions d'abord. Nous avons faim aussi. Nous leur avons demandé ça. Ils sont partis leur dire ça de vive voix aussi. Et nous pensons qu'ils sont en train d'y réfléchir. À notre endroit. Non, nous, on n'est pas violents. Hein. On a toujours dit que l'argent n'aime pas le bruit. Nous manipulons l'argent des déposants. Si nous faisons le bruit, l'argent va s'évaporer. Nous allons toujours doucement. Nous négocions et nous allons trouver un consensus. Assainir le cadre des microfinances en devenant syndicat, tel est le souhait également prononcé par les travailleurs. Le monde des microfinances, il faut dire que c'est un problème que nous avons sur le tapis, puisque la majorité des directeurs des microfinances n'aiment pas entendre le nom du syndicat. Et nos camarades qui sont là-bas, si je ne vous trompe pas, ce qu'ils nous racontent, ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas manipuler de l'argent et être traités de la sorte. Pour le DG Aura Bank, représentant ATBF, la revendication principale concerne la convention collective. Nous venons recevoir le cahier de doléances des deux syndicats, SEMBANK et SINASUR. Et c'est ce à quoi nous avons procédé ce matin. Et la revendication principale concerne la convention collective en vigueur actuellement et qui date depuis d'octobre 2013. Et là-dessus, d'ailleurs, il faut relever le sens aigu de responsabilité de nos deux syndicats qui ont permis à ce que cette convention puisse durer jusqu'à maintenant. Ils ont fait preuve de responsabilité et c'est pour ça qu'ils ont cette fois-ci dénoncé cette convention et les employeurs également ont pris la mesure de la situation en acceptant cette dénonciation. Et actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour aller à une renégociation de la convention.